Que Dieu te bénisse, mon frère, ma sœur. Toi qui as pris le temps ce soir pour venir prier et adorer avec nous, je te le dis ce soir, tu ne sortiras pas quand tu es venu. Tu te lèveras de ta chaise quand tu t'es assis. Tu ne te relèveras pas de genoux quand tu t'étais avant de le faire. Ce soir, Dieu va te parler d'une façon spéciale. Dieu va nous parler d'une façon spéciale. Alors que nous allons être en prière, nous allons voir la colonne de feu, la même colonne de feu qui conduisit le peuple de Dieu dans le désert. Nous la verrons, nous l'entendrons, nous la sentirons se déplacer sous la forme de la nuit, se poser d'une tête à une autre tête. Alléluia! Oh, et pendant ce temps, l'homme de Dieu sous l'onction, ayant emprunté son corps au Seigneur, révèle des choses. J'ose croire que vous serez bénis. Que Dieu vous bénisse richement. He was going to come with me, and he's kind of tired. He's come back from Japan. He's going to be here. He's going on to be at Lubbock with me. So he had a little bad cold, so he couldn't come on this, and he and his wife. Le vieux frère Bosworth, il devait venir avec moi, mais il était un peu fatigué. Il revient du Japon. Il devait être ici. Il sera à Lubbock avec moi. Et donc, il avait un mauvais rhume alors. Il n'a pas pu venir cette fois, lui et son épouse. Et alors, tout le monde a trouvé qu'il ressemblait à Caleb. Il était là, il disait, « Eh bien, frère Branham, avec cet air très digne, vous savez, il disait, « Laissez-moi y aller. » Il a dit, « Si vous ne voulez pas le faire. » J'ai dit, « Oh, frère Bosworth, je ne veux pas que vous y alliez. Vous vous disputeriez. » Il a dit, « Il n'y aura pas de dispute. Pas du tout. » Now, just before we close, listen to this. He went down there, I said, « If you won't fuss, all right. » I said, « I promise not to fuss. » Around 30,000 people gathered for that auditorium that night. Maintenant, juste avant de terminer, écoutez ceci. Il est allé là-bas. J'ai dit, si vous ne vous disputez pas, d'accord. Il a dit, je promets de ne pas me disputer avec eux. Environ 30 000 personnes s'étaient rassemblées dans la salle ce soir-là. Brother Wood, sitting over here, was present at the time. And was sitting in that auditorium. And my wife said, you're not going down to that meeting. I said, no, I wouldn't go down there here and fussing. No, sir, I wouldn't go down there and listen at it. Frère Wood, qui est assis ici, était présent à ce moment-là. Il était dans la salle. Et mon fils a dit, ou mon épouse a dit, tu ne vas pas aller à cette réunion? J'ai dit, non, pas question que j'aille là-bas. Les écouter se disputer. Non, monsieur. Pas question que j'aille là-bas. Écoutez ça. When night time comes, something said, go on down there. I got a taxi cab, my brother, wife, and my children. We went out and I went way up in balcony 30, way high, like that, and sit down. Le soir venu, quelque chose m'a dit, vas-y. J'ai pris un taxi, mon frère, mon épouse et mes enfants. Nous y sommes allés. Je suis monté tout en haut, au balcon 30, très haut, comme ça, et je me suis assis. Old Brother Bosworth walked out there just like an old diplomat, you know. He'd copied off some. He had 600 different promises of the Bible, copied off there. Le vieux frère Bosworth s'est avancé sur l'estrade, comme un vieux diplomate, vous savez. Il avait 600 promesses différentes de la Bible qu'il avait recopiées. Il a dit,
by the Bible. Every one of these promises is in the Bible pertaining to Jesus Christ healing the sick in this day. If you can take one of these promises and by the Bible, contradict it with the Bible, I'll sit down, shake your hand, say you're right. Il a dit, bon, Dr. Best, si vous voulez bien venir ici prendre une seule de ces promesses et en démontrer la fausseté par la Bible. Toutes ces promesses-là, qui se trouvent dans la Bible, déclarent que Jésus-Christ guérit les malades aujourd'hui. Si vous pouvez prendre une seule de ces promesses et, par la Bible, la démentir par la Bible, je m'assiérai, je vous serrerai la main, je dirai, vous avez raison. He said, I'll take care of that when I get up there. He wanted the last so he could rub off on Brother Bosworth, see. So Brother Bosworth said, well, Brother Best, I'll ask you one. And if you'll answer me yes or no, said, we'll just settle the debate right now. Il a dit, je vais m'occuper de ça quand je monterai sur l'estrade. Il voulait parler en dernier pour pouvoir ridiculiser Frère Bosworth, vous voyez. Alors Frère Bosworth a dit, eh bien, Frère Best, je vais vous poser une question. Et si vous me répondez par oui ou par non, il a dit, nous allons tout de suite mettre fin au débat. And he said, I'll take care of that. And he asked the moderator if he could ask him. He said, yes. He said, Brother Best, was the redemptive names of Jehovah applied to Jesus, yes or no? Et il a dit, je vais m'occuper de ça. Il a demandé au président s'il pouvait la lui poser. Celui-ci a dit oui. Il a dit, Frère Best, est-ce que les noms de Jéhovah en rapport avec la rédemption s'appliquaient à Jésus, oui ou non? I settled it. That was all. I tell you, I just felt something was going all through me. I never thought of that myself. See, now I thought, oh my, he can't answer. That's tied. C'était réglé. C'était terminé. Je vous le dis, c'est bien simple. J'ai senti quelque chose m'envahir. Je n'y avais jamais pensé moi-même, voyez-vous. Et je me suis dit, oh là là, il ne peut pas répondre. Avec ça, il a les mains liées. He said, well, Dr. Best, I'm alarmed. He said, I'll take care of that. He said, I'm alarmed that you can't answer my weakest question. He just as cool as a cucumber. He knew where he was standing. Il a dit, eh bien, Dr. Best, je suis stupéfait. Il a dit, je vais m'occuper de ça. Il a dit, je suis stupéfait de voir que vous ne pouvez répondre à ma question la plus faible. Il était d'un sang-froid imperturbable. Il savait où l'on était. So then he just sat down there at that scripture, said, take your 30 minutes, I'll answer after that. And old Brother Bosworth sat there and tucked that scripture and tied that man in such a place till his face was so red you could have struck a match on it nearly. Alors, il s'est tout simplement assis là, avec cette écriture. Il a dit, prenez vos 30 minutes, je répondrai après. Et le vieux frère Bosworth, assis là, il a pris cette écriture et il a tellement donné de fil à retordre à cet homme-là qu'il en avait le visage tout rouge, tellement qu'on aurait presque pu allumer une allumette dessus. He raised up there angry, threw the papers across the floor, got up there and preached a good camel-like sermon. I was a Baptist, I know what they believe. Il s'est levé de là furieux, il a jeté les papiers par terre, il est monté sur l'estrade, il a prêché un bon sermon cambélite. J'ai déjà été baptiste, je sais ce qu'il croit. He's preaching on the resurrection. When this mortal puts on immortality, then we'll have divine healing. Oh my! Why do we need divine healing if we're immortal? When this mortal puts on immortality, resurrection of the dead. Il n'a jamais. Il prêchait sur la résurrection. Quand ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors nous aurons la guérison divine. Oh là là! Quel besoin avons-nous de la guérison divine? Une fois que nous sommes immortels, que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, la résurrection des morts. He even doubted the miracle that Jesus did on Lazarus, said he died again. That was just a temporary thing. See? And when he got through like that, he said, bring forth that divine healer, let me see him perform. Il est allé jusqu'à douter du miracle que Jésus avait accompli sur Lazare. Il a dit, il est mort de nouveau, alors ce n'était que quelque chose de temporaire. Voyez? Et quand il a eu terminé comme ça, il disait, « Faites venir ce guérisseur divin, et que je le vois faire. » They had a little puddle then. Brother Bosworth said, « I'm surprised at you, Brother Best. Not answering one question that I asked him. » And so he got real frantic then. He said, « Bring that divine healer forth and let me see him perform. » Ils ont eu une petite prise de bec, là.
Frère Bosworth a dit, « Je ne m'attendais pas à ça de vous, frère Best. Vous n'avez pas répondu à une seule de mes questions. » Et alors, là, il est vraiment sorti de ses gonds. Il a dit, « Faites venir ce guérisseur divin, et que je le voie faire. » Said, Brother Best, do you believe in people being saved? He said, sure. Said, would you want to be called a divine savior? Said, certainly not. Il a dit, frère Best, croyez-vous que des gens puissent être sauvés? Il a dit, bien sûr. Il a dit, voudriez-vous qu'on vous appelle un sauveur divin? Il a dit, bien sûr que non. That wouldn't make you a divine savior because you preach salvation of the soul. He said, well, certainly not. He said, neither does it make Brother Branham a divine healer by preaching divine healing for the body. He's not a divine healer. He points people to Jesus Christ. Pas plus que vous prêchiez le salut de l'âme. Ça ne ferait pas de vous un sauveur divin pour autant. Il a dit, mais bien sûr que non. Il a dit, qu'il prêche la guérison divine du corps. Ça ne fait pas plus de frère Branham un guérisseur divin pour autant. Il n'est pas un guérisseur divin. Il dirige les gens vers Jésus-Christ. And he said, bring him forth, let me see him perform, let me look at the people a year from today and I'll tell you where I believe it or not. Brother Bosworth said, Brother Best, that sounds like another case of Calvary. Come down off the cross and we'll believe you. See? Il disait, faites-le venir, que je le vois faire. Laissez-moi revoir les personnes dans un an et je vous dirai si j'y crois ou pas. Frère Bosworth a dit, frère Best, il me semble qu'il s'agit là d'un retour au calvaire. Descends de la croix et nous croirons en toi. Voyez. And so, oh man, he really blew up. He said, let me see him perform, let me see him perform. The moderators made him sit down, he walked over and a Pentecostal preacher stand there, he just smacked him all the way across the platform. Alors, là, oh, il s'est vraiment emporté. Il disait, que je le vois faire, que je le vois faire. Ceux qui présidaient l'ont fait asseoir. Il s'est avancé vers un prédicateur pentecôtiste qui était là, debout, et lui a donné des claques, d'un bout à l'autre de l'estrade. And so they stopped him then. So Brother Bosworth said, here, here. No, no. So the moderator made him sit down. Alors, là, ils l'ont arrêté. Alors, Frère Bosworth disait, non, non. Donc, ceux qui présidaient l'ont fait asseoir. Raymond Ritchie raised up and said, is this the attitude of the Southern Baptist Convention? Said you Baptist ministers. Did the Southern Baptist Convention send this man over here, or did he come on his own? Raymond Richet s'est levé. Il a dit, est-ce là l'attitude de la Southern Baptist Convention? Il a dit, vous, les prédicateurs baptistes, est-ce la Southern Baptist Convention qui a envoyé cet homme ici, ou s'il est venu de son propre chef? They wouldn't answer. He said, I asked you, he knew him every one. They said, he come on his own. Because I know Baptists believe in divine healing too. So then he said, he come on his own. Il ne voulait pas répondre. Il a dit, je vous ai posé une question. Ils les connaissaient tous. Ils ont dit, il est venu de son propre chef. En effet, je sais que les baptistes aussi croient à la guérison divine. Alors donc, il a dit, il est venu de son propre chef. So then, here's what happened then. Then Brother Bosworth said, I know Brother Branham's in the meeting. If he wants to come and dismiss the audience, very well. So, Howard said, you sit still. I said, I'm sitting still. Et alors, voici ce qui s'est passé ensuite. Ensuite, Frère Bosworth a dit, je sais que Frère Branham est dans l'assemblée. S'il veut venir terminer la réunion, très bien. Alors, Howard a dit, reste bien assis. J'ai dit, je reste assis. And just then, something come around, began to whirl around. I knew it was the angel of the Lord. He said, rise up. About 500 people put their hands together like this, made it, I'll come down to the platform. Juste à ce moment-là, quelque chose s'est approché, s'est mis à tournoyer autour de moi. Je savais que c'était l'ange du Seigneur. Il a dit, lève-toi. Environ 500 personnes ont joint leurs mains comme ceci. Ils m'ont ouvert un passage. Je suis descendu pour aller sur l'estrade. I said, friends, I'm not no divine healer, I'm your brother. I said, Brother Best, with no disregards to you, my brother, not at all. You have a right to your convictions, so do I. J'ai dit, mes amis, je ne suis pas un guérisseur divin, je suis votre frère. J'ai dit, frère Best, je ne dis pas ça, ou frère Best, j'ai dit, je ne dis pas ça pour manquer d'égard envers vous, mon frère, pas du tout. Vous avez droit à vos convictions, et moi aussi.
I said, of course, you see, you couldn't prove your point by Brother Bosworth, neither could you by anybody that's well read in the Bible that knows those things. J'ai dit, bien entendu, vous voyez que vous n'avez pas pu prouver ce que vous avanciez face à Frère Bosworth. Vous ne le pourriez pas non plus face à quelqu'un qui a étudié la Bible et qui connaît ces choses. I said, and as far as healing people, I cannot heal them, Brother Best, but I'm here every night. If you want to see the Lord perform miracles, come on over. He does it every night. J'ai dit, et pour ce qui est de guérir les gens, je ne peux pas les guérir, Frère Best. Mais je suis ici tous les soirs. Si vous voulez voir le Seigneur accomplir des miracles, vous n'avez qu'à venir. Il le fait tous les soirs. And he said, I'd like to see you heal somebody. Let me look at him. You might hypnotize him with your hypnotism, but said, I'd like to see it in a year from there. I said, well, you'd have a right to check him, Brother Best. Il a dit, j'aimerais vous voir guérir quelqu'un et qu'on me laisse les examiner. Vous pouvez les hypnotiser avec votre hypnotisme, mais il a dit, j'aimerais voir ça un an plus tard. J'ai dit, eh bien, vous seriez en droit de vérifier, Frère Best. He said, nothing but you bunch of numb skull holy rollers believe in such stuff as that. Baptists don't believe in no such nonsense, Brother Bosworth said, just a moment. Il a dit, il n'y a que votre bande de nigauds, d'exaltés, qui croient à des sornettes pareilles. Les baptistes ne croient pas à des sottises semblables. Frère Bosworth a dit, un instant. Said, how many people out there? These 2 weeks meeting here, that's standing, good standing with these fine Baptist churches here in Houston, that can prove that you've been healed by Almighty God while Brother Branham's been here and over 300 stood up. Il a dit, combien y a-t-il de personnes dans l'auditoire qui, au cours de ces deux semaines de réunion, des personnes qui sont membres en règle de ces belles églises baptistes de Houston ici? Et vous pouvez prouver que vous avez été guéri par le Dieu Tout-Puissant pendant que Frère Branham était ici, et plus de 300 personnes se sont levées. So what about that? He said, they're not Baptists. Said, anybody can testify anything, that still doesn't make it right. Said, God's word says it's right, and you can't withstand that, and the people says it's right, and you can't back that down, so what are you going to do about it? See like that. Il a dit, qu'est-ce que vous dites de ça? Il a dit, ce ne sont pas des Baptistes. Il a dit, n'importe qui peut témoigner de n'importe quoi. Encore là, ça ne veut pas dire que ce soit juste. Il a dit, la parole de Dieu dit que c'est juste, et vous ne pouvez pas le réfuter. Les gens disent que c'est juste, et vous ne pouvez pas le démentir. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Voyez-vous, comme ça. I said, Brother Best, I only tell what's truth. And if I'm truthful, God's obligated to back up the truth. I said, if he won't back up the truth, then he isn't God. J'ai dit, Frère Best, je dis seulement la vérité. Et si je dis la vérité, Dieu est dans l'obligation d'appuyer la vérité. J'ai dit, s'il n'appuie pas la vérité, alors il n'est pas Dieu. I said, I do not heal people. I was born with a gift to see things, see it happen. I said, I know I'm misunderstood. But I can do no more than fulfill the conviction of my heart. Et j'ai dit, je ne guéris pas les gens. Je suis né avec un don de voir les choses, de les voir arriver. J'ai dit, je sais que je suis mal compris, mais je ne peux pas faire autrement que d'agir selon les convictions de mon cœur. I said, I believe that Jesus Christ raised from the dead. And if the spirit that comes and shows visions and so forth, if that's questioned, drop around and find out. I said, that's all. J'ai dit, je crois que Jésus-Christ est ressuscité des morts. Et si l'Esprit qui vient et qui montre les visions et tout, si c'est ça qui est mis en doute, venez faire un tour et voir ce qu'il en est. J'ai dit, voilà tout. But I said, but for myself, I can do nothing of my own self. And I said, if I tell the truth, God's obligated to me to witness that it is the truth. And about that time, something went, here he comes, coming right down. Mais j'ai dit, mais quant à moi, je ne peux rien faire de moi-même. J'ai dit, si je dis la vérité, Dieu est tenu envers moi d'attester que c'est la vérité. Et à peu près, au même moment, quelque chose a fait. Il est arrivé. Il est descendu en plein là. And the American Photographer Association, the Douglas Studios in Houston, Texas, having the big camera set there, they're forbidden to take pictures. Shot the picture. Et l'association américaine des photographes,
les studios Douglas de Houston au Texas avaient installé leur gros appareil photo là. Il est interdit de prendre des photos. Ils ont pris la photo. When they were there to take pictures of Mr. Best, and he said, before I went down there, he said, wait a minute, I've got six glossies coming here. He said, here, shoot my picture now. And he put his finger in that old saintly man's nose like that. Said, now take my picture. And he did. Pendant qu'ils étaient là pour prendre des photos de Monsieur Best, et qu'il disait, avant que j'arrive, il disait, un instant, vous avez six photos de moi à prendre. Il a dit, tenez, prenez ma photo maintenant. Il a mis son doigt au nez de ce saint homme, comme ça. Il disait, maintenant prenez ma photo. Et ils l'ont prise. Then he drew his fist and put it up and said, now take my picture. And they took it like that. Then he done like that to pose for his picture. He said, you'll see this in my magazine. Like that. Brother Bosworth stood there and never said a thing. Then they just took the picture of this. Ensuite, il a serré le poing et il l'a brandi en disant, maintenant prenez ma photo. Et ils l'ont prise comme ça. Ensuite, il a fait comme ça. Il a posé pour sa photo. Il disait, vous allez voir ça dans mon magazine. Comme ça. Frère Bosworth est resté là sans dire un mot. Ensuite, ils ont pris la photo de ceci. On the road home that night, Catholic boy took it. He said to this other boy, he said, what do you think about that? He said, I know I criticized him. That guard that left that woman's throat, I said he hypnotized her. He said, I could have been wrong on that. He said, what do you think about that picture? I don't know. En rentrant à la maison ce soir-là, c'est un garçon catholique qui l'avait prise. Il a dit à cet autre garçon, il a dit, qu'est-ce que tu en penses? Il a dit, je sais que je l'ai critiqué. Quand le goitre est parti de la gorge de cette femme, j'ai dit qu'il l'avait hypnotisé. Il a dit, il est possible que j'ai fait erreur là-dessus. Il a dit, qu'est-ce que tu penses de cette photo? Je ne sais pas. They put it in the acid. Here's his picture. You can ask him if you want to. They went home. He sat there and smoked a cigarette. Went in and pulled out one of Brother Bosworth. It was negative. Pulled out two, three, four, five, six. And every one of them was blank. Ils ont mis ça dans l'acide. Voici la photo qu'il a prise. Vous pouvez lui demander si vous voulez. Ils sont rentrés à la maison. Il s'est assis là et a fumé une cigarette. Il est retourné et il en a sorti un de Frère Bosworth. C'était négatif. Il en a sorti deux, trois, quatre, cinq, six. Il n'y avait absolument rien, sur aucun. God would not permit the picture of his sainted old man standing there with that hypocrite with his hand, fist shaking under his nose like that. He wouldn't permit it. Dieu n'a pas permis qu'une photo soit prise de son homme, de ce brave vieux rempli de piété, alors qu'il était là, avec cet hypocrite qui avait son nez ou sa main, son poing brandi sous son nez, comme ça. Il ne l'a pas permis. They pulled out the next one, and here it was. The man had a heart attack. They sent that night. Ils ont sorti le suivant, et elle était là. Cet homme a été pris d'une crise cardiaque, à ce qu'ils disent, cette nuit-là. And they sent this negative to Washington, D.C. It was copyrighted, sent back, and George J. Lacey, the head of the FBI and fingerprinting document and so forth, one of the greatest there is in the whole world, was brought there and kept 2 days on it to test camera, lights, everything else. On a envoyé le négatif à Washington, D.C. Ils ont déposé un copyright dessus et l'ont retourné. Et George J. Lacey, le chef du service des empreintes digitales et documents et ainsi de suite, du FBI, un des plus éminents qu'il y ait au monde entier, on lui a porté ça et l'a gardé 2 jours pour vérifier l'appareil, les lumières et tout le reste. And when we come that afternoon, he said, Reverend Branham, I've been a critic of yours too. He said, I said it was psychology. Somebody said they seen them lights and things like that. Et quand nous sommes arrivés, cet après-midi-là, il a dit, Révérend Branham, moi aussi, je vous ai critiqué. Il a dit, et j'ai dit que c'était de la psychologie. Quelqu'un disait avoir vu ces lumières et des choses comme ça. And said, you know, the old hypocrite used to say that, he meant the unbeliever, them pictures around that halo around Christ, around the saints. He said, that was just simply psychology. Il a dit, vous savez, le vieil hypocrite disait toujours ça. Il parlait de l'incroyant. Que ces images autour, que cette auréole autour de Christ, autour des saints, il a dit, ce n'était que de la psychologie pure et simple. But said Reverend Branham, the mechanical eye of this camera won't take psychology. The light struck the lens, or struck the negative, and there it was. Mais il a dit,
Révérend Branham, l'œil mécanique de cet appareil photo ne captera pas de la psychologie. La lumière a frappé l'objectif, ou a frappé le négatif, et elle était bien là. And he said, I submitted over to them. He said, oh, mister, do you know what that's worth? And I said, not to me, brother, not to me. And so he said, of course, it'll never come into effect while you're living, but someday if civilization moves on and Christianity remains, there'll be something happen about this. Et il a dit, je le leur ai remis. Il a dit, oh, monsieur, savez-vous combien ça vaut, ça? J'ai dit, pas pour moi, frère, pas pour moi. Alors il a dit, naturellement, la chose ne se réalisera pas de votre vivant. Mais un jour, si la civilisation continue à avancer et que le christianisme demeure, il se passera quelque chose à ce sujet. So friends, tonight, if this is our last meeting on this earth, you and I have sat in the presence of Almighty God. My testimony is true. Many, many things that take volumes of books to write it. But I want you to know. Alors, mes amis, ce soir, si c'est notre dernière rencontre sur cette terre, vous et moi, nous nous sommes trouvés dans la présence du Dieu Tout-Puissant. Mon témoignage est vrai. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Il faudrait des quantités de livres pour tout écrire. Mais je veux que vous sachiez. How many in here, that's actually without the picture, seen the light itself standing around where I've been preaching, raise your hands all over the building. Anybody that's ever seen it? See? About 8 or 10 hands are sitting here. Combien de personnes ici ont réellement vu, non pas la photo, mais la lumière elle-même, près de l'endroit où je prêchais? Levez la main, partout dans le bâtiment, tous ceux qui l'ont déjà vu. Vous voyez, il y a peut-être 8 ou 10 mains de gens qui sont assis ici. You say, could they see it and me not see it? Yes, sir. That star that the wise man was following passed over every observatory. No one seen it but them. They were the only one who saw it. Vous dites, est-il possible que la voie et que moi je ne la vois pas? Oui, monsieur. Cette étoile que les mages ont suivie, elle est passée au-dessus de tous les observatoires. Personne d'autre ne l'a vue, seulement eux. Ils ont été les seuls à la voir. Elijah was standing there looking at all those chariots on fire and everything else, and the Gehazi looked around, he couldn't see him anywhere. God said, open his eyes and he can see, and then he seen him. See? Élie était là. Il regardait tous ces chars de feu et tout le reste. Et Gehazi regardait partout. Il ne pouvait les voir nulle part. Dieu a dit, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et là, il les a vus, vous voyez. But he was a good boy standing there looking around, but he couldn't see it. Sure, it's given for some to see and some not to. And that's true. Par contre, c'était un bon garçon. Il était là. Il regardait partout, mais il ne pouvait pas les voir. Certainement. Il est donné à certains de voir et à d'autres pas. C'est vrai. But now, you that has never seen it, and you that did see it with your natural eye, and has never seen the picture, yet the ones that sees the picture has a greater proof than you that seen it with your natural eye. Mais bon, vous qui ne l'avez jamais vu, et vous qui l'avez vu avec votre œil naturel, mais qui n'avez jamais vu la photo, il reste que ceux qui voient la photo ont une plus grande preuve que vous qui l'avez vu avec votre œil naturel. Because you with your natural eye could have been mistaken. It could have been an optical illusion, is that right? But that's not an optical illusion. That's the truth, where scientific research proves that it's the truth. So the Lord Jesus has did this. En effet, avec votre œil naturel, vous auriez pu faire erreur. Ça aurait pu être une illusion d'optique, pas vrai? Mais cela, ce n'est pas une illusion d'optique, c'est la vérité. Les recherches scientifiques en démontrent la vérité. Donc, le Seigneur Jésus a accompli ceci. What do you think it is then, you say, Brother Branham? I believe that it is the same pillar of fire that led the children of Israel from Egypt to Palestine. Que pensez-vous que c'est alors, vous dites, Frère Branham? Je crois que c'est la même colonne de feu qui a conduit les enfants d'Israël de l'Égypte
jusqu'en Palestine. I believe it's the same angel of light that come in the jail and come into Saint Peter and touched him and went forward and opened the door and put him out into the light. Je crois que c'est le même ange de lumière qui est entré dans la prison et qui est allé retrouver Saint Pierre, qui l'a touché et qui est allé ouvrir la porte et l'a fait sortir à l'extérieur dans la lumière. And I believe it is Jesus Christ, the same yesterday, today, and forever. Amen. He's the same Jesus today that he was yesterday. He will be forever the same Jesus. Je crois que c'est Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Amen. Il est le même Jésus aujourd'hui qu'il était hier. Il sera pour toujours le même Jésus. While I'm talking about it, that same light that's on that picture is on standing not 2 feet from where I'm standing right now. That's right. I can't see it with my eyes, but I know it's standing here. Pendant que je suis en train d'en parler, cette même lumière qui est sur la photo est à moins de 60 cm de l'endroit où je me trouve en ce moment. C'est exact. Je ne peux pas la voir de mes yeux, mais je sais qu'elle est là. I know it's settling with inside of me right now. Oh, if you could only know the difference. When the power of Almighty God catches and how things look different. Je sais qu'elle est en train de s'installer en moi en ce moment. Oh, si seulement vous pouviez savoir la différence que ça fait. Que la puissance du Dieu Tout-Puissant entre en action et combien les choses prennent un aspect tout à fait différent. That's a challenge. Anybody. I wasn't going to pray for no sick people. I was going to make a committal. But the vision's hanging over the people. God knows it. C'est un défi adressé à tous. Je n'avais pas l'intention de prier pour les malades. J'allais faire une reconsécration. Mais la vision est là, au-dessus des gens. Oui, Dieu le sait. I ain't going to call no prayer line. I'm just going to leave you sit there. How many of you people don't have a prayer card? Let's see your hand. Somebody don't have a prayer card. Do not have a prayer card. Je ne vais pas former de ligne de prière. Je vais vous laisser assis là. Combien d'entre vous n'ont pas de carte de prière? Levez la main. Quelqu'un qui n'a pas de carte de prière. Qui n'a pas de carte de prière. Colored lady sitting here. I see you had your hands up. Is that right? Just stand up so I can single you out just a minute. I don't know what the Holy Spirit will say. But you're looking at me awfully honest. You have no prayer card? La dame de couleur qui est assise ici. Je vois que vous aviez levé les mains. Est-ce exact? Levez-vous pour que je puisse vous distinguer un instant. Je ne sais pas ce que le Saint-Esprit dira, mais vous me regardez d'un regard tellement sincère. Vous n'avez pas de carte de prière. If Almighty God would reveal to me what's your trouble, I'm just doing this for a start, just to get started. Si le Dieu Tout-Puissant me révèle quel est votre problème, je commence en faisant comme ça. C'est seulement pour commencer. You believe me to be, you know, there's nothing, there's not one good thing about me. If you're a married woman, I'm no more than your husband. I'm just a man. But Jesus Christ is the Son of God. And he sent his Spirit to vindicate these things. Croyez-vous que je suis... Vous savez qu'il n'y a absolument rien de bon en moi. Si vous êtes une femme mariée, je suis un homme comme votre mari, pas plus. Je suis seulement un homme. Mais Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et il a envoyé son esprit pour confirmer ces choses. If God will tell me what's wrong with you, and you know there's no way for me to have contact with you at all, will you believe with all your heart? God bless you. Then your high blood pressure... has left you. Si Dieu me dit ce qui ne va pas chez vous, et vous savez que je n'ai aucun moyen de contact avec vous du tout, croirez-vous de tout votre cœur? Que Dieu vous bénisse. Alors,
Votre hypertension a disparu. That's what you had, wasn't that right? And sit down. You just believed that one time. I challenge anybody to believe it. C'est ça que vous aviez. C'était bien ça, n'est-ce pas? Alors, asseyez-vous. Croyez-le une bonne fois. Je somme n'importe qui d'y croire. Look here, let me tell you something. Martha coming to the Lord Jesus, that gift would have never operated if the Father had already showed him what he was going to do. It had never operated, but she said, Lord, if thou would have been here, my brother would not have died. Regardez, je vais vous dire quelque chose. Marthe, quand elle est venue au Seigneur Jésus, ce don n'aurait jamais agi après que le Père lui avait déjà montré ce qu'il allait faire. Il n'aurait jamais agi, mais elle a dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » He said, I am the resurrection and life. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. And whosoever liveth and believeth in me shall never die. Believest thou this? Elle a dit, mais je sais que même maintenant, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Il a dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? This is what she said. She said, yea, Lord, I believe that everything you've said is the truth. I believe you're the Son of God that was to come into the world. That's her approach, humbly. Écoutez ce qu'elle a dit. Elle a dit, oui, Seigneur, je crois que tout ce que tu as dit est la vérité. Je crois que tu es le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. C'était sa façon de s'approcher humblement. You feel different, don't you, lady? That's right. Little lady sitting right there next to you too, suffering with arthritis and the female trouble. Isn't that right, lady? Vous ne vous sentez plus pareille, n'est-ce pas, madame? Oui, c'est exact. La petite dame qui est assise là, à côté de vous aussi, elle a de l'arthrite et un problème gynécologique. C'est bien vrai, n'est-ce pas, madame? Stand up just a minute, the little lady with the red dress on. You're so close, is a vision to come to you. Arthritis, female trouble, is that right? Levez-vous un instant, la petite dame qui porte la robe rouge. Vous étiez tellement près que la vision est venue sur vous. De l'arthrite, un problème gynécologique, pas vrai? And here's something in your life, you got a good straight look to you. You got a lot of worry on your life, a lot of trouble. That trouble's about your loved one. It's your husband. Et voici, il y a quelque chose dans votre vie. Vous avez un bon regard, bien franc. Vous avez beaucoup de tracas dans la vie, beaucoup de problèmes. Et ces problèmes, c'est à cause de votre bien-aimé. Il s'agit de votre mari. He's a drunkard. He won't go to church. If that's right, raise your hand. God bless you, lady. Go home now and receive your blessing. You're healed. Turns light around you. C'est un ivrogne. Il ne veut pas aller à l'église. Si c'est vrai, levez la main. Que Dieu vous bénisse, madame. Rentrez à la maison maintenant et recevez votre bénédiction. Vous êtes guérie. Maintenant, il y a de la lumière autour de vous. Man sitting right next to him there. You, sir, you believe with all your heart? You've lost one of your senses. That's the sense of smelling. Isn't that right? If it is, wave your hand. L'homme qui est assis juste à côté de lui, là. Vous, monsieur, croyez-vous? De tout votre cœur? Vous avez perdu l'un de vos sens. C'est le sens de l'odorat. C'est vrai, n'est-ce pas? Si oui, faites signe de la main. Put your hand up to your mouth like this. Say, Lord Jesus, I believe you with all my heart. God bless you. Go now, you receive your healing.
mettez la main à la bouche, comme ceci. Dites, Seigneur Jésus, je crois en toi de tout mon cœur. Que Dieu vous bénisse. Repartez maintenant. Vous recevrez votre guérison. Have faith in God. What do you all think about it back in there? Do you believe? Be reverent. Ayez foi en Dieu. Qu'est-ce que vous en pensez, vous tous, là, au fond? Croyez-vous? Soyez respectueux. There's a lady sitting right back over there in a corner. I see that light hanging over. That's the only way I can tell what about it. That light's hanging. This light right here is hanging over the lady. Il y a une dame assise au fond, là-bas, dans le coin. Je vois la lumière suspendue au-dessus d'elle. C'est le seul moyen pour moi de savoir ce qu'il en est, par cette lumière qui est suspendue. C'est cette lumière-ci qui est suspendue au-dessus de cette dame. Maybe, just a minute, if I can see what it is. If it break, the lady's suffering with a heart trouble. She's looking right to me. Peut-être que dans un petit instant, si je peux voir de quoi il s'agit, il va y avoir... La dame souffre du cœur. Elle regarde droit vers moi. And her husband's sitting next to her. And her husband has got some sickness. He's just been sick, upset, sick. Isn't that right, sir? Raise your hands up if that's true. Et son mari est assis à côté d'elle. Son mari souffre d'une maladie. Il a été malade, indisposé, malade. N'est-ce pas vrai, monsieur? Levez les mains si c'est vrai. That's right, you, lady, with the little scarf there. The mister, isn't that right? Haven't you been this kind of upset today? You have upset in your stomach, the man. That's right. You all believe with all your heart? Both of you? You accept it? C'est ça, vous, madame, avec la petite écharpe là. Le monsieur là, c'est vrai, n'est-ce pas? Vous avez été un peu indisposé aujourd'hui, n'est-ce pas? Vous avez l'estomac dérangé. Le monsieur, c'est exact. Est-ce que vous croyez de tout votre cœur, tous les deux? Vous l'acceptez? Sir, I tell you, you too, I see you. With your hand up, the habit of smoking, quit doing that. You smoke cigars, you shouldn't do that. It makes you sick, isn't that right? If it is, wave your hand like this. That's what's upsetting you, it's bad on your nerves. Monsieur, je vais vous dire, vous aussi, je vous vois, vous qui avez la main levée. Vous êtes un fumeur. Cessez cela. Vous fumez le cigare. Vous ne devriez pas, ça vous rend malade. N'est-ce pas vrai? Si c'est vrai, faites signe de la main, comme ceci. C'est ce qui vous indispose. C'est mauvais pour vos nerfs. Throw the nasty thing away and don't do it no more. You'll get over that and be all right. Your wife's heart trouble will leave her. Do you believe that? Jetez cette vilaine chose et ne le faites plus jamais et vous vous remettrez de cela. Vous irez bien. Et le trouble cardiaque dont souffre votre femme disparaîtra. Le croyez-vous? Isn't that right? I can't see you from here, and you know that. But you're carrying cigars on the in your pocket, in the front. That's right. Lay the things out and put your hand over on your wife. Tell God that you are through with that kind of stuff. You'll go home well. You and your wife will get well. C'est bien ça, n'est-ce pas? Je ne vous vois pas d'ici, et vous le savez. Mais vous avez des cigares dans votre poche de devant. C'est vrai. Sortez-les et posez votre main sur votre femme. Dites à Dieu que vous ne toucherez plus jamais à ces choses-là, et vous rentrerez chez vous guéri, vous et votre épouse. Vous retrouverez la santé. Blessed be the name of the Lord Jesus. You believe with all your heart? Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Vous croyez de tout votre cœur? This little lady sitting here looking at me here. You're on the front seat here, sitting right here. A little lady's looking at me, sitting right there. La petite dame qui est assise ici, qui me regarde ici. Vous, sur, là, assise au premier rang. Assise juste ici. Une petite dame avec, qui me regarde, assise juste là. You have a prayer card, lady? Right here. Now, you don't have any prayer card? Do you believe with all your heart? You believe that Jesus Christ can make you well? Avez-vous une carte de prière, madame, juste ici? Vous n'avez pas de carte de prière. Croyez-vous de tout votre cœur? Vous croyez que Jésus-Christ peut vous redonner la santé? What do you think about it? You sit next to her. Do you have a prayer card, lady? You don't?
You want to get well too? Wouldn't you like to go eat again like you used to? Have the stomach trouble over? You believe Jesus heals you now? Stand up if you believe Jesus Christ healed you. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, assise à côté d'elle? Avez-vous une carte de prière, madame? Vous n'en avez pas? Voulez-vous retrouver la santé, vous aussi? Vous aimeriez recommencer à manger comme avant, n'est-ce pas? Ne plus avoir de problème d'estomac? Croyez-vous que Jésus vous guérit maintenant? Levez-vous si vous croyez que Jésus-Christ vous a guéri. You had an ulcerated stomach, didn't you? It's caused from a nervous condition. You've been nervous for a long time. Especially acids and things, or I mean, creates acid, makes sensitive teeth when you belch your food back up in your mouth. That's truth. Yes, sir. Vous aviez un ulcère à l'estomac, n'est-ce pas? C'est provoqué par un état de nervosité. Il y a longtemps que vous souffrez de nervosité, surtout de l'acide et tout, ou, je veux dire, ça provoque de l'acidité. Ça fait que vous avez les dents sensibles, que la nourriture vous remonte dans la bouche. C'est la vérité. Oui, monsieur. Is a peptic ulcer. It's laying at the bottom of your stomach. It burns sometime after eating, especially toast with butter on it. Is that right? I'm not reading your mind, but the Holy Ghost is infallible. You're healed now. Go home. Be well. C'est un ulcère à l'estomac. Il était au bas de votre estomac. Vous avez parfois des brûlures après avoir mangé, surtout du pain grillé avec du beurre dessus. Pas vrai? Je ne lis pas dans vos pensées, mais le Saint-Esprit est infaillible. Maintenant, vous êtes guéri. Rentrez chez vous, soyez guéri. What are you back over in this direction? Some of you over there without a prayer card, raise up your hand. Somebody without prayer cards. All right, be reverent. Believe with all your heart. What about up the balcony? Have faith in God. Et vous, là-bas, dans cette direction, quelques-uns d'entre vous là-bas qui n'ont pas de carte de prière, levez la main. Quelqu'un qui n'a pas de carte de prière. Très bien, soyez respectueux, croyez de tout votre cœur. Et vous, les gens qui sont au balcon, ayez foi en Dieu. I can't do this within myself. It's only His sovereign grace. Do you believe? I can only say as He shows me. As your faith, I say that to shake your faith. And then see which way He'll lead me. Je ne peux pas faire ça de moi-même. C'est seulement sa grâce souveraine. Croyez-vous? Je peux seulement le dire à mesure qu'il me le montre. À mesure que votre foi... Je dis ça pour secouer votre foi. Après, je verrai dans quelle direction il me conduira. Did you realize, is this not your brother? You're standing in His presence. It's not me that's doing this. It's your faith operating it. I can't operate it. It's your faith that's doing it. I have no way of operating it. Avez-vous compris qu'il ne s'agit pas ici de votre frère? Vous vous trouvez dans sa présence. Ce n'est pas moi qui fais ceci. C'est votre foi qui le met en mouvement. Je ne peux pas le mettre en mouvement. C'est votre foi qui le fait. Je n'ai aucun moyen de le mettre en mouvement. Just a minute. In this corner. I see a colored man sitting there. Kind of elderly with the glasses on. You have a prayer card, sir? Stand up on your feet a minute. Un petit instant. Dans ce coin, je vois un homme de couleur assis là, plutôt âgé. Il porte des lunettes. Avez-vous une carte de prière, monsieur? Levez-vous un instant. You believe me to be God's servant? With all your heart? You're thinking about somebody else, aren't you? If that's right, wave your hand. Not because it's me, your brother. Croyez-vous que je suis le serviteur de Dieu? De tout votre cœur? Vous pensez à quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? Si c'est vrai, faites signe de la main. Ce n'est pas à cause de moi, votre frère. Now you don't have a prayer card. There wouldn't be no way of you ever getting in line because you ain't got a prayer card. Now if any of you got prayer cards, don't raise up, see, because you'll have a chance to come in the line. Maintenant, vous n'avez pas de carte de prière.
il n'y aurait aucun moyen pour vous de venir dans la ligne, puisque vous n'avez pas de carte de prière. Maintenant, s'il y en a parmi vous qui ont des cartes de prière, ne vous levez pas, voyez-vous, parce que vous aurez l'occasion de venir dans la ligne. But I see that light is hanging above him. It's never broke to a vision yet. I cannot heal you, brother. I cannot. Only God can do that. But you've got faith, you're believing, and there's something it's caused it, some way. Mais je vois cette lumière qui est là, suspendue au-dessus de lui. La vision n'est pas encore venue. Je ne peux pas vous guérir, frère. Je ne le peux pas. Dieu seul le peut. Mais vous avez la foi. Vous croyez. Il y a quelque chose, c'est ce qui a provoqué ça, d'une manière ou d'une autre. If Almighty God will tell this man what's his trouble, will the rest of you receive your healing? There's a man perfectly standing 10, 15 yards away from me. I never seen him in my life. He's just a man standing there. Si le Dieu Tout-Puissant dit à cet homme quel est son problème, est-ce que tous les autres vous accepterez votre guérison? Voici un homme. Il est à 10 ou 15 mètres de moi, parfaitement. Et je ne l'ai jamais vu de ma vie. C'est un homme. Il est là, tout simplement. If Almighty God will reveal what's wrong with that man, every one of you ought to walk right out of here a well person. What more can God do? Is that right? Si le Dieu Tout-Puissant révèle ce qui ne va pas chez cet homme, chacun de vous devrait repartir d'ici en bonne santé. Qu'est-ce que Dieu peut faire de plus? Pas vrai? Sir, it's nothing wrong with you. You're weak, have a little getting up at night, prostrates and so forth. But that's not what your trouble. Monsieur, ce n'est pas vous qui n'allez pas. Vous êtes faible. Vous devez vous lever un peu la nuit. La prostate et tout. Mais ce n'est pas ça qui vous cause du souci. Your trouble is concerning your boy. And your boy is in some kind of a state institution. And he has a dual personality. Is that right? Wave your hand if that's right. That's exactly right. Ce qui vous cause du souci, c'est votre fils. Et votre fils est dans une espèce d'établissement de l'État. Il a un dédoublement de la personnalité. Pas vrai? Faites signe de la main si c'est vrai. C'est tout à fait vrai. How many believe now that Jesus Christ, the Son of God, is standing here? Let's stand and offer praise and receive our healing. Combien croient maintenant que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est ici? Levons-nous, donnons-lui la louange et recevons notre guérison. Almighty God, author of life, giver of every good gift, you're here the same Lord Jesus Christ, the same yesterday, today and forever. Dieu Tout-Puissant, auteur de la vie, donateur de tout bon don, tu es ici, le même Seigneur Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et pour toujours. And Satan, you've bluffed these people long enough. Come out of them. I adjure thee by the living God, whose presence is here now in the form of a pillar of fire. Leave these people and come out of them in the name of Jesus Christ. Et Satan, tu as bluffé ces gens assez longtemps. Sors d'eux. Je te conjure par le Dieu vivant, dont la présence est ici maintenant, sous la forme d'une colonne de feu. Retire-toi de ces gens. Sors d'eux au nom de Jésus-Christ. Chacun de vous, levez tous les mains et louez Dieu et recevez votre guérison. Un jour, Dieu seul sait où et quand. Les roues de la vie mortelle devront toutes s'arrêter. Then I shall go to dwell. Alors j'irai habiter sur la montagne de Sion. Someday, beyond the reach of un jour au-delà de toute perception mortelle. Someday, God only un jour Dieu seul sait où et quand. Are
When? What's going to happen? Qu'est-ce qui va arriver? Going to close all these little wheels turning? Toutes ces petites roues qui tournent vont s'arrêter. The wheels of mortal life shall Les roues de la vie mortelle s'arrêteront toutes. Then we shall go to dwell Alors nous irons habiter sur la montagne de Sion. So hang low, Descends, sweet chariot, coming far to carry me home. Pour venir me transporter à la maison. Swing low, sweet Descends, douce chariot, coming far to Pour venir me transporter à la maison. If you get there before I Si vous y arrivez avant moi, coming For to carry pour venir me transporter à la maison. Tell Brother Bosworth and all my friends, dites à frère Bosworth et à tous mes amis aussi, just coming for to carry pour venir simplement me transporter à la maison. Now swing low. She'll dip down someday to pick me up. Un jour, il va descendre pour me prendre. Every tree will be a fire. Chaque arbre sera en feu. Les anges de Dieu et le char de feu. One of these days in the low parts of my death hours, I look for him to come in. That's right. Un de ces jours, dans les basses heures de ma mort, je m'attends à ce qu'il vienne. C'est vrai. I looked over Jordan. What did I see? J'ai regardé au-delà du Jourdain, et qu'ai-je Coming vu? For to carry Un homme pour me transporter me à la maison. Like old Elijah looking over Jordan. Comme le vieil Élie qui regardait au-delà du Jourdain. A band of bright angels Un groupe d'anges éclatants qui venaient me chercher. They were coming for to Ils carry venaient pour me transporter me. À la maison. Oh, swing low. Get down low. Sweet chariot. Descends bien bas. Coming far to carry me home, swing low, sweet chariot, coming far to carry me home. Hallelujah! Amen! Hallelujah! Oh Dieu Tout-Puissant, auteur de la vie éternelle, donateur de tout bon don, hallelujah! Oh mes frères, nous avons été bénis ce soir, nous bénissons notre Père, nous rendons grâce à notre Seigneur, nous t'élevons Seigneur, tu es le même hier, aujourd'hui et pour toujours Seigneur. Oh, merci d'avoir parlé ce soir. Merci d'avoir prié, d'avoir exaucé nos prières. Et merci à toi, mon frère, ma sœur. Merci à toi qui as prié avec nous. Que Dieu te bénisse richement. Alléluia. Alléluia. Quelle onction, quelle grâce. Alors, je te souhaite de passer une excellente fin de semaine. Dans la grâce et l'amour de notre Dieu. Que Dieu veille sur toi, sur ta famille. Que Dieu veille sur toi et sur les tiens. Sur tout ce que tu possèdes. Que Dieu puisse te bénir encore et encore. Et qu'il fasse pleuvoir davantage. Des pluies de bénédictions dans ta vie. Je te dis à la semaine prochaine. Que Dieu prenne soin de toi. C'était sa volonté à la semaine prochaine. Que Dieu te bénisse. Que Dieu nous bénisse.